Je m'appelle Nicolas Baer, je suis gardien de waterpolo au club de natation d'Aix-en-Savoie. Il y a 6 ans, j'étais en U15, première année du U15, et au fur et à mesure, j'ai eu des changements d'entraîneur, et c'est ça qui m'a permis d'évoluer et aussi avoir l'opportunité de jouer avec les plus grands, avec l'équipe 1. Et aussi mon entraîneur actuel, Jean-Sylvain Cassanti, qui a pu me donner une chance en équipe première. Et là, cette année, il m'a laissé une grosse chance en étant premier gardien. Tout d'abord parce que j'ai été formé au club d'Aix-en-Savoie, que j'ai depuis tout petit, j'étais dans l'eau comme un hippocampe, comme un poisson. C'était une passion pour moi et j'ai découvert le polo il y a 6 ans. Et maintenant, je peux plus vivre sans. Voilà, du coup, avec la crise sanitaire du Covid, c'est un peu dur. On a les bassins qui sont fermés, on a la salle de sport qui est fermée. Donc du coup, on a un programme de musculation à faire chez soi, avec ou sans matériel. Et pour ma part, je fais au poids du corps en raison d'une heure par jour, 5 fois par semaine. Donc c'est pas l'entraînement habituel, mais ça permet de rester un peu en forme. C'était surtout... Évoluer juste en tant que gardien, et au niveau de l'équipe, c'était surtout être premier du championnat, être leader, et surtout avoir aucune défaite comme d'habitude et prendre la coupe à la fin. Pour l'instant, on était à 0 défaite. On a eu un début un peu dur, donc on a eu du mal à se mettre en place, on n'avait pas le rythme. Mais là, sur le dernier match contre Pontclet, on a fait du bon travail. Le coach était content. Voilà, du coup, c'est particulier parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça, surtout avec la FFN. Donc, on sait pas encore comment va se dérouler la suite. J'aimerais déjà continuer déjà dans le polo et aller au plus haut niveau. Donc, aller jouer en Pro A ou dans des clubs étrangers, ça serait vraiment un rêve. Et sinon, jouer en équipe de France aussi et faire les JO. C'est quand j'ai commencé en première année en U15. Pour moi, le rêve, c'était déjà de jouer en N1, donc avec l'équipe actuelle. Et c'est déjà un rêve de réaliser, donc c'est ça qui est bien. Ça, je suis vraiment content.